Seulement 48 heures avant la crise cardiaque qui a coûté la vie à la célèbre chanteuse Lisa Marie Presley, celle-ci se serait rendue aux Golden Globes. Mais une vidéo assez surprenante est devenue immédiatement virale et dans laquelle on a pu constater que la jeune fille d'Elvis Presley envoyait déjà des signes inquiétants. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous prions de vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur l'actualité People. Merci. La chanteuse internationale Lisa Marie Presley repose aujourd'hui auprès de son père et de son fils. En effet, ce vendredi 13 janvier 2023, le décès de la fille d'Elvis et de Priscilla Presley à l'âge de 54 ans a été annoncé. Comme rapporté par les magazines, cette dernière, avant son décès, avait été hospitalisée de toute urgence la veille à la suite d'un malaise cardiaque. Après l'avoir retrouvée totalement inconsciente dans son domicile situé à Los Angeles, c'est sa gouvernante qui avait immédiatement prévenu les secours. De son côté également, son ex-époux Danny Kirk, qui vivait toujours dans la propriété Lisa Marie Presley, avait aussi essayé bien que mal de lui prodiguer les premiers gestes de secours. Mais malheureusement, quelques heures plus tard, comme l'a annoncé la grand-mère de Benjamin, Riley, Harper et Finney d'une manière assez bien triste, tout cela n'a pas été suffisant pour ramener Lisa Marie Presley à la vie. Ainsi, c'est dans un communiqué que Priscilla Presley a déclaré que c'est avec le cœur meurtri et lourd qu'elle se doit de partager une nouvelle dévastatrice selon laquelle sa merveilleuse fille Lisa Marie Presley vient de rendre son dernier souffle. Ainsi, elle a également ajouté que cette dernière était la mère et la femme la plus forte, passionnée et aimante qu'elle avait déjà connue dans sa vie. Cependant, deux jours seulement avant cette tragédie survenue dans le monde de la musique et des affaires, la défunte Lisa Marie Presley qui vient de nous quitter semblait déjà en difficulté pour marcher. En effet, Lisa Marie Presley foulait quand même le tapis rouge des Golden Globes. L'ancienne épouse du défunt Michael Jackson avait brillé par sa présence à cette occasion pour encourager Austin Butler, qui avait été finalement récompensé avec un prix du meilleur acteur dans un film bien connu. Pendant ces festivités, la fille du King avait même d'ailleurs pris la parole face aux caméras en dénombrant les performances plus vraies que nature du jeune et célèbre acteur âgé de 31 ans. Toutefois, au travers des images que cette dernière a renvoyées, les internautes et fans de la chanteuse ont eu comme impression que ces images auraient dû attirer leur attention et leur mettre une puce à l'oreille. Comme on a pu le constater en réalité, la célèbre Lisa Marie Presley apparaissait en effet confuse, en ayant de la peine à trouver des mots pour son allocution et en demandant même à son manager de l'aider afin de pouvoir se tenir debout. Ainsi, il faut cependant avouer que dans une autre vidéo publiée sur TikTok qui est devenue tout aussi virale, Lisa Marie Presley est apparue en grande difficulté pendant sa descente sur les marches du tapis rouge de Golden Globe, où elle a d'ailleurs eu besoin de l'intervention de ses équipes venues l'accompagner. Ceci était en quelque sorte une preuve aux yeux des internautes et de ses fans que la fille unique d'Elvis Presley n'était déjà pas en grande forme. Dès lors, nous lui souhaitons un très bon repos et que le Seigneur puisse l'accueillir dans son royaume. Alors, merci de vous abonner et activer la cloche de notification pour être alerté lorsque nous publions de nouvelles vidéos. Merci et à très bientôt.